tout le monde. Alors, cette quête en soi est plutôt simple, juste il faut penser à ne pas mourir quand vous avez les trackers et à bien faire attention. En vrai, l'endroit où il faut les poser est pas très compliqué. Juste voilà, faut juste éviter de les tuer pour éviter de recommencer, même si la quête est pas si compliquée que ça. Alors, sur Ashika Island, faites bien attention, juste puisque les souterrains sont quand même bien remplis. Donc là, nous, on a essayé de rentrer à un endroit, là, comme vous pouvez le voir, et en fait, ça va mal se passer, donc on décide de simplement aller par un autre endroit pour que ce soit plus facile d'accès. Truc assez ouf, on arrive tous les deux à monter sur la tyrolienne en même temps alors que de base c'est pas possible, mais c'est pas grave. Bon, du coup on passe par un autre endroit. Il y a pas mal d'entrées possibles, hein, donc n'hésitez pas à faire la même chose. Alors du coup sur Ashika Island, le sous-marin est assez facile à trouver. Il est dans l'eau, il est assez immense. Donc voilà pour le placement sur Ashika Island, maintenant on se retrouve sur Almazra. Alors on vient choper le tracker évidemment, pareil. Je vous montre l'emplacement de la boîte. C'est un peu plus chiant cet emplacement parce que du coup côté véhicule pour y aller, il y a l'air, mais après au moins vous pouvez sauter en parachute pour aller à l'autre endroit. Alors l'autre endroit, vous voyez, c'est dans un hangar, le sous-marin est pas dans l'eau. Donc pensez bien, voilà, montez dessus. Il est plutôt safe comparé à sur Ashika Island, donc c'est ça l'avantage. Je vous montre évidemment aussi où il est exactement dans le hangar. Assez facile à trouver tout de même.